Bonjour à tous et bienvenue dans SnowRunner, aujourd'hui pour l'épisode 14. Donc j'ai un peu changé de stratégie, ne vous inquiétez pas, on est de retour au barrage de Smithville pour une raison simple, c'est qu'on va commencer par la mission, la renaissance de l'usine à bois, qui va nous permettre de prendre du bois sur la carte Iceland Lake, donc c'était quand même important. J'ai un peu changé de stratégie au niveau du camion, notre camion tout terrain. Je lui ai retiré sa grue et sa remorque à rambarde pour lui mettre un attelage bas, puisqu'il y a beaucoup de semis sur Iceland Lake et je ne pouvais pas les transporter. Et la grue, j'en avais pas forcément besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite, donc le matin, par transporter la remorque à bâche à l'usine à bois endommagée. Allez. Ensuite, nous irons certainement très rapidement réparer le camion qui est pas très loin au début de la carte là. Pour voir un peu ce qu'il donne, sachant qu'on a, en préparant le dernier épisode, j'avais amené... Je peux pas faire plusieurs choses à la fois. Hein. Je suis bloqué? Ah, c'est mieux là, non? Ouais. Ouh, bon, je sais plus ce que je disais. Oui, on va commencer par réparer le camion qui est vers l'entrée de la carte avec les camions que j'avais que j'ai ramené au début du dernier épisode à côté de l'entrée de Iceland Lake. Et d'ailleurs j'avais pas vu, j'ai aussi une remorque ici. Bref, on verra si on en a besoin. Et là j'ai du métal aussi, donc avec ces deux petits camions là on va réparer l'autre. Je ne sais pas encore si je vais amener ces camions-là là-bas ou si je vais treuiller le camion jusqu'à l'entrée. Parce que ceux-là, ils vont peut-être galérer dans la boue alors que je sais que notre camion tout-terrain devrait pouvoir utiliser son treuil pour le ramener par ici, ce qui serait quand même beaucoup plus simple. Alors, par où passons-nous pour aller là? J'ai déjà envie d'essayer quelque chose. Regarde, j'ai envie d'essayer de passer comme ça là pour amener ça à l'usine à bois. Sachant que la solution de facilité c'est de faire le tour, mais moi j'aime pas trop quand c'est facile, donc je me dis que je vais essayer ça. Vous allez me dire, c'est une erreur. Certainement. Mais quand même, j'aime bien les défis. Et au pire des cas, si vraiment c'est un échec, vous le verrez pas. Je recommencerai. On va voir, ça se trouve, ça va passer tout seul. C'est un peu pour mettre à l'épreuve notre camion. Alors, voyons voir comment ça se présente par ici. Déjà je vous le dis, ça se présente mal. Alors, est-ce qu'on peut passer sur le côté ou pas du tout? Alors j'ai équipé le treuil moyen sur ce camion. C'est un treuil plus puissant. Je sais pas s'il est plus long. Attends, je regarde. Il est pas très long. Est-ce que c'est pas une grosse connerie? On essaye. Thank you.
Et c'est passé, je crois. Nickel. Alors, faut la livrer où cette remorque? Ici. Étape terminée. Ensuite, il faut livrer. On arrête le moteur. Il faut livrer deux blocs de béton et une poutre de métal. Alors. Eh bien, tout est là. Ouh. On essaye d'aller là, c'est plus près. Là. Il y a peut-être tout ce qu'il faut. Allez, go! Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Ah, il n'y a que du métal. Eh ben écoute, on va déjà amener ça. Comment ça s'accroche? Je peux pas l'accrocher là. Je peux pas passer en dessous. Elle va tomber. C'est triste là, non? On a bien récupéré le coup là, je crois. Allez, il n'y a pas une souche là, non? Donc là, est-ce que ça marche là? Mais dis pas que je peux pas prendre deux semis avec ce truc là. Ah, mais quel con! Et je suis vraiment mauvais, hein. Allez. Là, ça suffit, là. Voilà. Allez, on y retourne pour livrer la poutre de métal. Alors, comment ça marche avec une semi? Est-ce que c'est pire qu'avec... Est-ce que c'est pire qu'avec la remorque pourrie là, avec plein de roues? Ou est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas trop. Ça a l'air carrément plus lourd, hein. J'ai l'impression que le truc il misère là. Ouais, je sais pas trop. Ah la vache, on a pété encore des trucs là. J'ai rien fait là. Il y avait un caillou? J'ai pas vu. Oui, il a l'air de misérer. Il faut qu'on. Ça va pas. Ouais, il manque un peu de puissance, hein, j'ai l'impression. C'est inquiétant. Je pensais qu'il allait survoler la zone avec une grande facilité, mais pas du tout. Alors, on livre une poutre de métal. Parfait. Là, il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Est-ce que j'essaye? De repasser là avec la SMI pour ensuite aller la lâcher au magasin de remorque, faire le plein, me réparer et prendre ça. On essaie de faire ça.
Ah bah il y avait tout dedans. Dommage. Alors... Ouais, c'est un peu moyen. Hein. Allez. On arrête le moteur, on passe par où? On va passer par là, par la grande route, la sortie principale. Ici, on continue tout droit. On essaie de... On fait pareil, non? On passe là et on bifurque là direct et puis on livre tout là. On fait ça? Allez, c'est parti. Second test très intéressant de savoir si si ça passe avec une semi chargée dans la boue. Là, ça va. On va peut-être rester en vitesse lente. Voilà. On peut céder du treuil, hein. Nickel, nous voilà repartis. Je me suis trompé de route. Non, c'est bon. Nous voilà partis. Et là, après, on va pouvoir enchaîner deux missions ultra rapidement. Avec les deux ponts en bois réparés, là. Parce que du coup, il y aura l'usine à bois tout de suite. Enfin, si on arrive à transporter ça de l'autre côté, évidemment. Hein. J'ai l'impression que ça va être plus compliqué. Il est arrêté, hein, là. Oh mon Dieu. Ah, là, ça va être plus difficile. On va peut-être atteindre les limites de notre camion favori. Pour l'instant, il avance. Il avance toujours. On va peut-être devoir céder du treuil, non? Ah, il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Ah, bah je ne sais pas ce qui bloquait, mais ça devait être coincé quelque part. Je ne sais pas ce que c'était. Il n'était pas bloqué, il était coincé. C'est peut-être la semi qui est coincée. Bon, on laisse encore un peu de, hein, de mazout dans le marécage là. Mais bon, c'est pas grave, on entend toujours les petites grenouilles, les crapauds qui font des petits bruits, donc ça doit pas les déranger. Allez, on se treuille un petit coup.
Ah, un autre point de treuil. Ah, zut. Ah, hé. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. Est-ce que j'ai rechargé les piles ou pas? Petit intermède, je mettrai une musique. J'ai plus de piles. Est-ce que ça marche ça? Oui, oui c'est bon. Ça marche. Panne de piles, mais tout va bien. Écoutez, ça passe, hein. Et ça passera encore plus vite, j'espère, avec les ponts en bois. On peut se treuiller ou autre truc? Non, je peux pas. À la petite barrière en bois là. On peut pas. Ça marche, hein? On arrive sur la route. Regardez comme c'est chouette là, ces pneus. T'as vu? Ah là là, ne te renverse pas. C'est cool, je crois qu'on a réussi. On a bousillé 50 litres de carburant, mais on a réussi. Et voilà, on livre les deux blocs de béton. Et on a été promu niveau 13. La série fonctionne à nouveau et nous pouvons enfin nous remettre au travail. Vous êtes un miracle sur roue. Il n'y a pas de quoi. Ensuite, on va faire la tâche. Pas celle-là, hein, vous vous doutez bien. C'est le pont. C'est ça? Il faut livrer plein de bois ici. Il en faut donc 2 et 2. C'est des... J'ai pas suivi la mission. Pont. Suivre. C'est des planches de bois. Alors attends. Attends, en fait, je voulais faire demi-tour propre, mais on va faire comme ça, non? Ça passe, à ton avis, là? Ouais, je pense que ça passe. Hop, planche en bois, on prend 34. Allez, cadeau. Alors là, regardez bien, ça sera les missions les plus rapides qu'on ait jamais faites. Attention, Marshall, tu es un peu sommet de la route. Gestion cargaison. Deux planches de bois. C'est cadeau. Et tu vas m'enlever les barrières. Ouais, voilà, super. Et il m'a même pas dit bravo. Ah, mais je pense que c'est une mission avec deux morceaux, non? Deux points réparés. Possible. Là. Regarde. C'est pas magnifique? Bon ben voilà, déjà une mission de fête. Ensuite, on va détacher la remorque. Et ensuite, on va aller chercher le camion à réparer, qui est pas loin. Il est là. Regarde. Il est là.
On va aller le chercher pour le ramener un peu plus proche de l'entrée du barrage de Smithville. Parce que j'ai peur que mes camions n'arrivent pas là-bas. Pour ça, c'est pour ça que j'ai dépensé 15 000 balles dans le treuil moyen. Car dans le treuil moyen, il est indiqué dans la description que le machin y tire à peu près tout. Plus son chargement. Donc j'avais envie de dire, mais montre-moi ça tout de suite. Parce que si c'est le cas, moi je treuille tout vers ici là, je treuille le machin par là. Et puis hop, je prends mon camion, puis terminé, je répare et hop, mission terminée quoi. J'espère que ça va marcher, ça ferait le... Si ça marche, ça fait le deuxième truc que je prévois de l'épisode qui fonctionne. Le premier, c'était passer avec une semi au milieu de la flotte. Et là, le deuxième. Treuiller le gros camion à l'entrée du... à l'entrée de la zone. Et si ça marche... Si ça marche, honnêtement... Ben, ça sera bien. Attention, moment de vérité. Est-ce que tu peux treuiller le camion? Est-ce qu'il avance? Il a plus d'essence. Ah, j'ai le frein à main. Ouais, ça a l'air d'aller. J'ai eu peur. Je peux mettre en vitesse lente, peut-être, non? Bah si ça passe comme ça, c'est cool. Mais ça a l'air de bien se passer. Hein. Il a l'air chouette ce camion. Là. C'est le Western Star 6900. On a eu un truc, on a récupéré un truc, c'était un moteur, non, qu'on a récupéré sur ce, pour ce camion. Tu passes en vitesse normale là, non? Ouais, on sent qu'il est un peu à ses limites hein, quand même. Hein. Il manque cruellement de puissance là, le notre super bandit. Malgré le fait que pour l'instant c'est le mieux qu'on ait. Hein. Pour l'instant, on n'a pas mieux. Alors là, premier passage, passage délicat. Est-ce que ça va passer dans la flotte en tractant le bidule? C'est pas sûr. Mais si, ça a l'air de passer. Ouais, c'est bien. On va pas passer là, on va passer un petit peu par ici. Je peux passer en vitesse normale là. Waouh, deuxième.
Vitesse lente. Vitesse normale? Ouais. Vitesse lente? Vitesse normale? On va y arriver. Passe la 2. Je crois qu'on est pas loin là, non? Il passe la 3. Ah oui, on est vraiment pas loin là. On n'est pas loin. Ah, On va le mettre sur le côté. Ici. Là. T'es bien là. On arrête le moteur. On change de camion. On va retourner sur la carte globale au barrage de Smithville. On va prendre le Fleetstar. On va pas prendre le Fleetstar, on va prendre l'autre. On va prendre celui-là. Et astuce, lui il a la citerne. On va aller chercher ce machin là-bas. On peut passer là ou pas? Ah, ça serait cool que ça passe là. Là, tu peux accrocher ou pas? Ah, trop bien. Bonne nouvelle. J'arrive pour les réparations. Et là, il y a du métal. On n'oublie pas que là, il y a une remorque et du métal. Et on y va! C'est parti! La blague, c'est ton... s'ils ont remis le camion à l'autre bout, mais je pense pas. Non, il est là. Allez! Salut! Alors, on arrête le moteur. On faire le plein de là, du réservoir de carburant jusqu'au Western Star. Oui! On ravitaille tout. Ensuite, réparer de la remorque de réparation. Oui, on répare tout. 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 C'est... J'ai pas compris. C'est pas le bon. C'est pas le bon que je répare. On répare tout. Ouais, réparer le camion. Le pont, ouais, mais c'est le camion normalement. Venez voir, cette vieille machine a encore un peu de vie en elle. Après tout, nous ne pouvons pas trouver son numéro de série, mais personne ne va réclamer un vieux tas de ferraille de toute façon. Qui trouve garde, comme je dis toujours. Bah bravo. Super, bah nickel. Là, c'est fantastique. Fantastique. Alors, attends, on va laisser la remorque ici. Sans se retourner, hein, évidemment. Là, elle est bien. Ouais, elle est pas mal. Détacher la remorque. Lui, on va le mettre là. Voilà, on va arrêter le moteur. On change de camion. Et le voilà, notre nouveau camion. Ok.
Bon, bah, je sais pas si on l'utilisera, mais en tout cas, il est là. Il a une grande. Ok. Écoute, pour l'instant, on n'a pas besoin de toi. On arrête le moteur, puis on te laisse là. Hein? Alors, bah tiens, on va retourner faire le plein vers notre camion là. Hop. Faire le plein du de la malaoutine. Ah mais tu peux pas, mais c'est hyper relou ça. Mais non. Faire le plein. Du réservoir vers le bandit. Ouais. Ah, quelle tristesse. On arrête le moteur. On regarde la carte. Que fait-on ? On fait demi-tour. Avec la SMI, on prend deux bois pour ce pont là et on recule et on met deux bois pour ce pont là. On fait ça. Allez, vas-y, roule. Ça va passer un peu comme ça là, avec un demi truc sur le pont. Mais oui, ça va passer. Regarde, on a trop de puissance. Allez, charge-moi 4 bois là-dedans. Et en route. C'est gratuit. On fait le chemin ou pas? Sinon je vais me planter. C'est là qu'on va. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est là qu'on va. On va là. Là. Et ici. Et là. Ok. Et après on fait demi-tour. Ça sera une autre histoire. On verra après ça. À droite. Donc oui, avec le béton, ça semble vachement plus lourd parce que j'avançais pas aussi vite. Là, je suis en cinquième. Donc à mon avis, toi, ça joue, mais on n'a pas trop l'info, je trouve, hein, dans le jeu, que la cargaison est lourde. Je crois pas, ou alors j'ai pas fait gaffe. Quand on est dans les menus, on a le rapport poids. Ouais, mais je sais pas. Faudrait que je regarde. On a le rapport poids. Ouais. Rapport poids. Mais j'ai pas vu si ça modifiait avec les cargaisons. J'ai pas vu. Je sais pas si j'y penserai. Donc là, avec que du bois, ça passe. Il y a un petit caillou là au milieu, attention. Putain, mais recule pas, avance pas trop en fait. Ouais, c'est bien comme ça. Et voilà. Ah bah là, tu en avais un autre, il est déjà fait. Combler le fossé avec ce nouveau pont. Cet endroit fonctionne comme une machine bien huilée. Oh oh, pigé, bien huilé. Parce que nous ferons du pétrole, humour. Quoi qu'il en soit, merci mon pote. Oh, bah là, on s'est fait un ami. Hein. Allez, on s'est fait un ami. C'est pas ce qu'on cherchait. On va reculer avec la semi. Je parle pas, sinon j'y arriverai pas. Hein. Voilà.
qui va nous gonfler. Il faut que j'avance un peu. Allez. Ah la vache. En même temps, quand j'attache déjà la remorque derrière ma voiture, j'y arrive pas. Alors un camion puis une semi. Attends. Non mais ça va pas. Attends, attends, attends. Pas de panique. Ah non, j'ai cassé le truc. Et je peux passer là ou pas? Ah mais oui, je sais ce que je vais faire. Attends, regarde, on va faire pareil, on accroche le treuil. Je vais acheter un treuil, je crois, pour... Je vais acheter un treuil pour ma voiture. Juste pour pouvoir faire ça. Non mais là ça va passer, hein. C'est obligé, ça passe. Je vais mettre un treuil sur ma vraie voiture avec ma remorque pour pouvoir faire la même chose. Attends, faut passer par où? Par là. Alors là t'es gentil, mais faire ça avec, avec la SMI là. Ou alors on passe là. Attends. Elle a l'air moins pourrie cette route. On va passer là. Il faut livrer où en fait là? Faut livrer là non? J'ai rien compris. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est à gauche. Mais là ça passe pas? Ma semi elle va se retourner là non? Ou le camion? Attends. Voilà, nickel. La conduite hors pair. On prend des risques. Donc là, on va livrer nos deux bois. Mais c'est pas l'antenne. Ah, mais c'est parce que c'était deux missions. J'essaie juste d'en les faire deux en une. C'était ça? Ouais. Allez. Ça rapporte par contre que dalle hein, en XP. Hein. C'est quoi cette blague? Il y a une vieille branche. C'est pas là que je livre, hein? Là, c'était le point de la mission. Ouais, d'accord, on peut que afficher la tâche, on est d'accord. Allez, tout droit. Ça se passe bien, ça se passe bien. Cette petite livraison.
Qu'est-ce que ça fait du bien, des petites missions tranquilles comme ça, là. Ah, puis là, on aura une belle place pour faire demi-tour avec notre semi. Le rêve. Hein. Allez, c'est parti. Construction. Et voilà, encore un pont. On a une méga zone de... Je ne sais pas ce que c'est, là. Tâche terminée. Oui, le contrat est signé, le pont est construit et cela n'est jamais arrivé. Le client veut que je vous remercie pour votre travail acharné et votre discrétion. Il dit que si vous avez besoin d'un service, considérez cela comme acquis. Je suis content. Je suis jamais allé au site de forage. Il y a des ressources à prendre, il y a une mission. Mais il n'y a rien sur leur site de forage là. Ah la vache, d'accord, un équipement de forage, bah, très bien. On arrête le moteur. Ouais, on va faire ça. Tu crois que je passe au milieu ou pas? Comme ça. Parce que si je passe comme ça... J'y vais direct. On va laisser la semi ici. On en aura peut-être besoin pour revenir chercher du... Pour venir chercher un truc, là, des pièces de forage, là. Alors, est-ce qu'on passe, là? Ou est-ce que c'est... C'est une blague. Ah déjà, c'est sûr qu'on passe pas. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Ah, il y a un petit truc là. on l'a un peu tué là. Je crois qu'on a un peu tué le camion, mais ça c'est pas assez. Hein. C'est dommage. C'est quel niveau, je crois. C'est quel niveau où on peut mettre niveau 14, hein, je crois. Où on peut mettre la prise d'air au-dessus là. Que ça serait bien. Allez, on va chercher le Chevrolet. J'ai encore pas suivi la mission? Mais oui, évidemment. C'est ça? Alors, le Chevrolet, on l'avait déjà sorti de la panade. Il me tire, le Chevrolet, là. Ok, faut aller où? Ici. J'ai tellement envie de refaire pareil. Peut-être là, regarde, il y a des trucs juste là. Ah bah oui, mec. Mais non, mais treuille pas n'importe quoi. Allez.
C'est parti! On amène le Chevrolet à la maison du fermier. Attention, il y a un bidule ici. Voilà. On va peut-être pas y arriver. Si, je crois que ça va passer. Je crois que ça va passer. Est-ce que... Par contre, l'autre, il va mourir. Il est sous l'eau, le Chevrolet. Eh, on va pas vraiment arriver à le mettre en difficulté ce camion, mis à part de le mettre complètement sous l'eau. Je vois pas, hein. On a encore un peu pollué la zone. Mais rien de bien méchant. On entend toujours les crapauds. Allez, on y va. On a un peu refait la peinture, hein, du Chevrolet. J'espère que ça va pas se voir. Alors, on va repasser par le petit pont qu'on a fait. Très solide. Je sais pas si on peut charger les véhicules sur une remorque, parce que moi je les treuille bêtement, mais peut-être qu'on peut les mettre genre parce que je vois qu'il y a des remorques à rampe. Je sais pas si je peux les mettre dessus. Il me semble pas, mais peut-être en fait, j'ai jamais testé. J'ai jamais testé. Je vais rechercher sur internet, voir si je trouve quelque chose par rapport à ça. Mais ça serait sympa du coup, plutôt que de les treuiller bêtement, les trucs là. Non, 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 t'en retournes pas. Il faut aller où là? À gauche, hein. Ah mais je pense parce qu'il y a des remorques à rampe. Donc on doit pouvoir les mettre dessus, non? Pousse-toi un petit peu, un poil. Voilà. On enlève le rétro. Tu es où le fermier, il habite où? Un peu plus loin. Hop. Super. Un héritage rouillé. Eh ben dis donc,
C'est une sacrée épave. Si j'avais su, je l'aurais laissé là-bas. Bon, puisque vous l'avez déjà ramené, je vais voir si je peux pas le faire fonctionner à nouveau. Merci quand même. Ben, merci. En même temps, fallait pas me demander si tu le voulais pas, mec. On arrête le moteur, on regarde la carte. Non, je veux pas voir l'antenne cassée, mec. Je veux aller voir la voiture là. Allez. Et en passant, on va mettre la poutre de métal au pylône, je sais pas quoi. Non, ça c'est une remorque pas là, quoi. Alors faut juste faire gaffe de pas la baigner parce que maintenant mon camion il va tellement bien que je fais plus trop gaffe à la remorque. Voilà. On file vers le scout 800. Et d'ailleurs, on file, c'est pas une expression, hein, on file vraiment là. On a bien fait de... Je me trompe pas de route. Non, non, on a bien fait de faire les missions. Hein. Regarde comme c'est cool après avec les pneus là. Ça nous simplifie quand même grandement la tâche. On est bientôt frais. On est bientôt prêt pour affronter le grand froid de l'Alaska. Alors, c'est ici qu'on tourne. C'est ici. Ma question c'est où est-ce qu'il y a un pylône électrique qui est pété? Il est après? C'est une antenne renversée, c'est après. Ah mais oui, ah oui, attends, j'avais pas vu, regarde au-dessus du camion là-bas, il y a une super grosse antenne renversée. Là. Oui, effectivement, j'avais pas vu. Donc... Il est là le truc. Attends, on va détacher la remorque. Attends,
Comment je vais faire pour traîner les deux bidules en même temps là? Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait n'importe quoi, j'ai failli me retourner pour rien du tout là. Voilà, on va le laisser dans la vase le truc là. Ensuite, on essaie de faire demi-tour. Hop. On a cassé un peu. Oh, d'ailleurs, mon moteur il commence à être pété. Faut que je fasse gaffe. J'aurais presque pu le réparer. J'avais les trucs de réparation tout près. C'est pas grave. Alors, on reprend ça. Atelier la remorque. Ok, ensuite on y va. Non, pas le frein à main. On ferme le machin. On va là. On se met à peu près. Ici, on accroche le treuil. Je peux l'accrocher là, le treuil. Et puis, je vais prendre ça, là. J'ai le droit de faire ça ou pas? Je peux faire ça? Ouais? Bah, c'est cool. Ouais, bah, c'est parfait. Voilà. Ah bah là on est nickel là. Alors là c'est parfait. Il est là le pylône je crois. Ah attends. Ouais le pylône est là. Je vais enlever le treuil. Et on va réparer le pylône avec le machin métal. Là. Gestion de la cargaison. Pas compris. Pas compris. Pas compris. Ah mais ça n'a rien à voir. Quel gland. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pas du tout ça. Allez, on y va. Alors normalement c'est un poteau électrique qui est pété. C'est pas celui-là. En fait, je suis con, hein. Il est où? Mais je comprends pas cette mission là. En fait, je vais mettre un truc là. Voilà. Ouais, donc c'est bien celui-là qui est pété. Mais pourquoi tu peux pas le livrer là? Je comprends pas. Attends. Il faut suivre. Ah, j'avais pas accepté. Mais oui. Pas de cargaison à charger. Ok, c'est pas un bug en fait, regarde. Je recommence, voilà. C'était à cause de ça. Ouais, info importante.
Si la cargaison est pas empilée, non, ça compte pas en fait. Tout simplement. Allez, on arrête les conneries. On va livrer notre petit véhicule et puis on s'arrête là. Du coup, faut que je resuive la bonne mission. C'est par là qu'on passe. Oui. On va ici. À toute vitesse. Je sais pas si on est déjà passé par cette route. Si, je crois, hein. Je crois. Ah, mais ça va, c'est pas loin. Je crois que c'est plus loin que ça. Une souche là. Ouais. Allez, on est bientôt arrivé. Et c'est là qu'on charge le métal aussi, je sais plus. Et voilà, c'est là. Faut peut-être que je la mette dedans. Non, je sais plus. Livré au parking, c'est où le parking? C'est pas là? C'est pas bon? Pas compris. Ah, attends, oh là là, c'est compliqué. En fait, attends. Oh, il y a du métal là. Ah bah, parfait. Je pense que c'est parce que je l'ai treuillé avec la remorque, non? C'est pas à cause de ça? Ouais, c'était ça. Putain, il faut trouver des fois. Hein. Le chasseur et la voiture. Si vous n'aviez pas été là, on y aurait passé toute la journée. Merci beaucoup, mon pote. Oh, mais on se fait beaucoup d'amis ici. Hein. Et voilà. Donc ici, faut qu'on livre là le pylône ici et au pylône, je sais plus où il est l'autre. Il reste deux pylônes normalement. Ah ben, il en reste un tout à l'entrée. Ok. Et il en reste un ici. Attends, on va le faire en fait, puis on s'arrête après. On va prendre la SMI, c'est vraiment parce qu'il y a la SMI. Je repasse le matin. Parce que là, c'est la nuit. Allez. On fait ça, puis on s'arrête. Sinon, la vidéo, elle va faire 50 heures. Allez. Vas-y. Où c'est qu'on va? On va juste là. Et puis on fait demi-tour.
Attends, on fait demi-tour, ouais. On essaye de faire demi-tour. Avec la Smith, c'est jamais bien pratique. C'est la boue. C'est la vie, hein, ce camion. C'est la vie. Ouais, on passe la 2. Donc oui, alors, ah oui, je voulais regarder. Non, le rapport poids-puissance change pas. Voilà, c'est bon. Où c'est qu'on va ensuite? Bah, j'aimerais bien faire demi-tour, en fait, hein. On va faire demi-tour comme ça, à vitesse lente. Voilà, faut juste pas que le truc se renverse. Ouais, c'est bon. Allez, en route! On va livrer notre dernière poutre de métal. On va rester en vitesse normale et un peu strain en fait. On va gagner en vitesse. Je fais le chemin rapide. J'ai envie de passer là. J'ai envie de passer là, j'ai envie de passer là, j'ai envie de passer là. Là, on sait que ça passe un peu. À peu près. Et on le livre là. Pim. On va peut-être réparer le moteur avant de passer dans la flotte. Et puis ça devrait aller. Hop! On passe ici. Ah, il faut qu'on regarde après où trouver un moteur ultra puissant pour ce camion là. Parce que c'est ça qui va nous poser souci, je pense. Parce que dès qu'il transporte un truc un peu lourd, c'est un peu galère. Enfin, c'est galère, tout est relatif. Hein. On est quand même sur de l'ultra facile, mais c'est moins facile. Il reste 200 mètres. Est-ce qu'il va réussir à monter la pente? Je sais pas si on a beaucoup d'améliorations sur le grand camion qu'on vient de récupérer là. Ce qui m'embête, c'est que si. De toute façon, on aura peut-être fini la région là, donc on pourra peut-être retourner au garage pour voir si on peut lui équiper d'un truc. On peut y aller depuis le barrage de Smithville, hein, je crois, dans l'autre région. C'est à droite. C'est tout droit. Ouais, vas-y, j'essaye. Allez, vitesse normale, on y va.
Là, c'est le site de forage, ouais. On peut encore charger des trucs, là. Un équipement de forage, ok. Alors, pas de conneries. On est déjà passé là, hein, tout à l'heure. Donc normalement, on sait que ça passe à peu près. Il faut juste ne pas se retourner. Regarde, on va refaire la même technique. Pas et là on freeze le truc. Non mais alors ça c'est du haut niveau, c'est comme ça quoi, rien à dire quoi, la SMI ça passe partout. Oui, ah mais j'étais en vitesse normale. Ah mais j'ai plus d'essence, d'accord, c'est pour ça que ça marche pas. Faire le plein, là on est vide. J'avais plus d'essence, j'ai même pas vu. Vitesse normale, on va y arriver. Il reste 80 mètres. C'est déjà là? Ah oui, effectivement, c'est là. Hop! Et voilà, 610 d'expérience. Le courant est rétabli grâce à vous. Voici un petit quelque chose pour votre aide. Allez, on a récupéré énormément d'XP et beaucoup d'argent. On arrête le moteur et je crois qu'on va terminer pour aujourd'hui. Il nous reste une petite mission. Une petite mission. Allez voir l'antenne. Et après, je crois que je crois qu'on a terminé la zone déjà, non? Ah, il y a cette, donneur de quête ici, la quête qu'on n'a pas pris. Bidon enflammé, ça doit être un défi. Et celle-ci, d'accord. Donc il n'y a que celle-là qu'on n'a pas, qu'on n'est pas allé prendre. Ok. Eh bien, on fera ça la prochaine fois. On terminera complètement les petites missions. Ensuite, je pense qu'on a d'autres grosses missions à effectuer. Donc celle-ci est bloquée. Instrument de développement, voilà, tu vois, livré à l'entrepôt, ok, équipement de forage x3, ok, ah, ok, tu vois, je pense qu'il faut en prendre un pour chaque, ouais, ça va être intéressant, ça, ça va être intéressant, eh ben, on fera tout ça la prochaine fois. Merci d'avoir regardé ces épisodes et à plus.